Et salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, vous avez vu, il fait beau, donc on va vous parler de Yu-Gi-Oh! Et pour ça, je suis en présence d'un invité surprise. Vamos! Et donc là, passons aux choses sérieuses. Un gros colis vient d'arriver ce matin, vous voyez, il dépasse Quentin. D'ailleurs, il n'est pas très grand, il fait qu'un mètre 12. 1m12, ouais. Allez, 1m13, il a grandi cette nuit. Donc du coup, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent, donc là, on va ouvrir quoi? Du Yu-Gi-Oh! Ghost from the Past 2. Et il y a des ghosts, comme son nom l'indique. Et si on a des ghosts, aïe aïe Ça va aïe. être le feu. Aïe aïe aïe. Franchement, il y a des grosses cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ghosts, c'est tout simplement des cartes pépites. Donc en fait, c'est des rééditions des anciennes séries. Mais en fait, les cartes sont en format un peu fantôme, un peu brillante. Donc regardez, on en a une entre les mains d'une ancienne série. C'est de. Ouais, c'est... Putain, je sais pas. Bon, on s'en fout. Mais en gros, regardez, franchement, c'est vraiment magnifique. Voilà, petite dragon et les rats. Allez, let's go, sors-nous. Allez, on ouvre le carton. D'ailleurs, petite parenthèse, regardez-moi ce magnifique cadre en verre où il nous a préparé des boosters dans tous les sens. Ouais, il y a des petits boosters, mais... Rassure-moi, ils sont tous vides. Non, ils sont tous pleins. Sérieux? Non, ils sont vides. Quand même pas. Pas fort, oh là là, ce colis, dang dang. Alors, on a quelques displays. Hein. Regardez, ça brille, hein. Ça brille, Magnifique. Ça brille. Hein. Celle-là, elle est en cadeau, non? Elle était combien? Elle est en cadeau. Sérieux? Elle est en cadeau, exactement. Ils ont rajouté une boîte? Ben ouais, c'est ce que je viens de remarquer. Let's savais go pas. Mais merci à eux, du coup. D'ailleurs, c'est qui t'a commandé? Atlantic Cards. Atlantic Cards. Ouais, bah, si vous voulez aller checker leur site et tout, c'est pas mal. Si vous passez dans la vidéo, bah, lâchez-nous un petit pouce bleu et puis au plaisir. Donc du coup, dans le colis, on avait 4 displays fantômes du passé. Donc on va vous en ouvrir une, juste pour vous montrer ce qu'il y a contient. Regardez ce dragon blanc aux yeux bleus quand même. C'est magnifique. Ouais. Incroyable. Franchement, le packaging de la box est tout simplement dingue. Donc vas-y Quentin, je te laisse déballer. Donc là, donc normalement chaque display contient 5, c'est ça. 5 boîtes, c'est ça? 5 boîtes de 4 boosters. Donc en fait une boîte contient 4 boosters. C'est ça. Back, let's go, comme dans les... Et voilà. Et ah. D'ailleurs, il y en a un qui est passé derrière là. Un booster? Ouais, mais là aussi. Il en manque un? Non. Attends, là on essaie un truc de fou parce qu'il n'y a que 3 boosters. Qu'est-ce que c'est? Donc soit... Attends, montre, regarde. C'est pareil. Non mais regardez l'autre qu'on a eu en cadeau. Voilà. Il y en a... Qu'est-ce que c'est? Donc soit il y a un booster qui s'est intercalé derrière, soit il y a un bug et il manque vraiment un booster. Et là c'est pas drôle. Putain, non mais toute la box. Ouais, toute la box. Il y a un défaut. C'est peut-être une box buggée en vrai. Oh là ça serait ouf. Mais... Oh non, on ne fait pas ça maintenant. Non mais regardez la box derrière. Ah, il y en a deux, mais fermez-la par contre. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais là, il y a un bug. C'est obligé. Non, mais c'est obligé. Pas possible. Et en plus, c'était celle qui avait le plastique un peu... La boîte est parfaitement scellée. Oui. Regardez-moi ça. La nickel. Mais par contre, c'est pas normal. Il n'y a que 2 boosters. Mais après, si... Regardez, si on gratte, on dirait qu'il y en a un troisième là. Mais après, il doit sûrement y en avoir un quatrième qui s'est glissé derrière. Et regardez, toutes les autres boîtes sont buggées de cette display. Donc là, on voit bien 3 boosters et en fait, on a un doute. On pense que le deuxième est là. Donc on va l'ouvrir et voir la confirmation. Mais c'est juste qu'on... Parce que normalement, voilà, la présentation classique. Et là, ouais. Bon, on va voir. On va ouvrir tranquillement la boîte où on a l'impression qu'il y a 2 boosters. Donc on espère qu'il n'y a pas 2 boosters. Vous voyez, en plus, c'est scellé. Hein, donc, voilà, donc j'ai ouvert la boîte. C'était un peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y a bien 4 boosters. On va voir ça. Hop, 1, 2, 3 et 4. Allez, ah, oui, il y a 4 boosters. Magicienne des ténèbres, magnifique. Tu sais combien il y a de cartes du coup pour un booster? Ouais, c'est écrit 5. Ah ouais, 5, 5. Cyberdragon est magnifique, ouais, quand même, ce dragon blanc aux yeux bleus. Dingue. Et du coup, il y a 9 ghost rares. 9 ghosts, ouais. Et tu sais à peu près le... Le ratio, c'est très compliqué à savoir, hein, mais honnêtement, en 4 displays, je pense qu'on n'en aura pas. Ok, et les 9 ghosts, donc il y a la magicienne des ouais, ténèbres. Dragon noir aux yeux rouges, dragon blanc aux yeux bleus, cyberdragon,
Et après, je sais pas trop. C'est les 4 que je considère les mieux. Je vous les ferai. Allez, c'est parti. Je commence par le dragon plat aux yeux bleus. Hein. Ça porte chance, je pense. Allez, clairement, on veut du lourd, du lourd. Allez, c'est parti. Un héros. Ah oui, tout est ultra rare, hein, en fait. J'avais pas précisé, mais... Ah, il y a que du magnifique. Brillant. Quoi, là, c'est vraiment du sale. Dans ces boosters, ça brille dans tous les sens. J'adore ces illustrations. Et la Ghost, elle est en dernier ? Ouais. Normalement. Mais là, il n'y en a pas, du coup. Un booster magicienne des ténèbres. Franchement, ouais, c'est celle que tu veux aussi. Ouais, moi aussi. C'est vraiment, ouais, c'est franchement, vrai. Après dragon noir aux yeux rouges aussi, quand même. Ah, je me fais spoil. Mais ce n'est pas une ghost. Allez, nouvelle box. Donc là, on enchaîne. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est la prochaine. Attention. Oh. Oh, Balos. Voilà, c'est ce qu'on veut. Dragon oh là rouge. Là, 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 là. Arc démon. Ah, oh, c'est pas mon préféré. Ah, moi non plus, c'est pas ma préférée, mais... Let's go, c'est d'entrée. C'est tellement abusé d'avoir une gosse, c'est tellement difficile. Ah oh là 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 là. Que... Premier booster d'entrée pour oh moi. Là, 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 bon, désolé, là, Quentin. Là. Bah, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis content. Hein. Je suis refait. Elle est magnifique. C'était dans un booster. Eh bien, pareil. C'est le pareil. Même. Ah, c'est le c'est même. Même. C'est le même. C'est le même. Let's go. René, je vous laisse apprécier cette magnifique carte. Bon, ben 1-0. Oh hein. Là, là, là. Je pense bah, là, dans la display, c'est mort maintenant. Je pense que c'est, ouais, c'est moi. Je n'arriverai pas à l'égaler, à mon avis. Let's go. Il y a pas dans cette série, il y a pas énormément de cartes côté, mais il y a beaucoup de cartes jouées et bon après les ghosts ça cote forcément. Est-ce que en ayant ces bugs dans la display de paquet, ça serait pas une display buggée. Ça serait incroyable. Display buggée de ghosts. Il y a des ghosts partout. Franchement, on veut du lourd, hein. On veut ça. En plus, il y a pas de honnêtement, elle est propre, très propre. Allez, on enchaîne booster suivant. Il y a un petit point blanc. Attention, le sanctuaire céleste qui nous amène tout droit sur... Oh non. Eh non. Il a fait une feinte, j'y ai cru. Ah là, on est refait. Lâchez vos pouces bleus, franchement. Tirez une ghost dès la première box, pour moi, c'est dingue. Allez, on veut du lourd. Tragédie d'Espienne. D'Esphane. Mec, c'est pas lié. Eh non. Sur le premier. Allez, on enchaîne. Mais j'ai toujours espoir de tomber sur une autre ghost. C'est marrant quand même. C'est... Franchement, regardez, on vous la met en fond, la petite ghost là. Juste pour là. Apprécier. Tac, ça brille. Hein. Ça brille. Allez, let's go. Allez. Attention. Eh non, toujours pas. Hein. Bah, on va pas non plus trop en demander, mais. Maintenant, déjà, qu'on on y est a, refait. Hein, on, d'entrée. Y a, on y a pris goût maintenant. Donc, Oh, c'est blanc. Allez, 3, 2, 1. Vamos, c'est non. Bon. Franchement, il y a beaucoup de cartes qui reviennent, non c'est, ouais. La série, je pense. Ouais, c'est pas une énorme série, mais quand même. Mais après, il y a déjà, toujours des cartes recherchées. Hein, excusez-moi, j'ai pas... mais une série où il y a que des brillantes, enfin, que du. Ouais. Bah, ça, c'est ça qui est bien dans Yu-Gi-Oh! Comparé ouais. À Pokémon, où bon, c'est galère d'avoir des ultras. À Yu-Gi-Oh! Ils font quand même les choses relativement comme il faut. Allez, on enchaîne. Booster suivant. Donc voilà, 5 cartes par booster et la ghost en dernier. Tac. Tac. Allez. Franchement, lui, je le trouve vraiment bizarre. Tout claqué avec sa... Bah, c'est vrai que l'espèce de mitraillette. Ça serait pas dingue. Franchement, pour un monstre de Yugi, c'est à chier. Oh! Ah non, je me suis spoil, j'ai... Il vient de nous faire des frayeurs à chaque ouais, fois. Ouais, franchement... On se fait peur. Allez, avant-dernier booster. Oh, belle gosse. Tac. Et là, c'est juste derrière. Allez. 3. Ah. Soldat galactique et dernier.
Allez, vamos, vamos. S'il pouvait y en avoir une deuxième, ça serait vraiment totalement fou. Franchement, là, les amis. Qu'est-ce que c'est? Une carte. Il y a des espace cartes, des fois. Pendule. 3, 2, 1. Vamos! C'est nul à chier. Franchement, je déteste ces cartes. Ouais, moi aussi, je déteste. Ils font à moitié, ouais. Je sais pas. C'est je suis pas fan. Je suis pas fan. Les cartes d'avant. Après, ça va faire pas mal de cartes à trier, comme d'habitude. Hein, mais bon. On aime ça, donc on va pas se plaindre. Hop, hop. Et non. D'ailleurs, du coup, dans le lien de la description de la vidéo, je mettrai nos boutiques eBay. Souvent, on balance pas mal de cartes à vendre. Donc, n'hésitez pas à aller checker soit le eBay de Quentin, soit mon eBay pour retrouver des cartes. Ouais, il y en aura forcément, hein, de toute façon. Chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on se fait plaisir. On est obligé d'en ouvrir beaucoup. Putain, encore la carte toute claquée. Regardez, celle-là claquée, celle-là infâme. Il va en rêver de cette carte. Ah non, franchement, laisse tomber. Et allez, dernier booster de la display. Allez, s'il te plaît. Lâche-nous. J'aime bien les cartes blanches, moi. Ah ouais, là. Et non. On va s'ouvrir la petite boîte bonus qu'on a eue dans le colis. Donc franchement, si on sort une ghost là-dessus, ça va serait boss. Insane. Elle est là, la ghost. Elle est là-dedans? Ouais. Dans cette box. Okay. Let's go, les 4 boosters où il y a la ghost. Vamos. C'est ouf, regardez les amis, en fonction de la luminosité, hop, on voit plus la ghost, elle apparaît. Carte magique. Allez, dernier. Dernier. Allez, dans la boîte cadeau, là. Ah, c'est la boîte cadeau, ça. Si là, on ouvre la boîte cadeau. Si vraiment ils ont été gentils. C'est comment la boutique, Rodi? Atlantic Cards. Allez, Atlantic Cards, dédicace à vous. Franchement, oh, j'ai cru. Du blanc. Encore du blanc derrière. Non. Neptune. Allez, Atlantic Cards. Faites-nous rêver. Bon, pour l'instant, on va pas se plaindre. Hein. On l'ouvre à la, comme ils disent, à l'américaine. 3, 2, 1. Let's go. Ah non! Pas lui! Putain, je vais le brûler. C'est qu'il y a si tu l'as de nouveau, je te la donne. Putain, non, je la veux pas. Allez, avant-dernier booster. Voilà, je préfère des mecs bien plus stylés. Ah, je sais qu'il y en a qui jouent beaucoup avec ce type de deck là. Je sais que ces cartes sont jouées. Attention. Et non. La cavalerie. Allez, dernier booster. C'est dans celui-là. On le sait. Bon, les amis, franchement, si je retire un mec avec le pistolet là, dégueulasse, je bouffe la carte. Je la bouffe. Oh, celle-là, on l'avait pas eu. Non. Un petit dragon. Ouais, assez sympa. Ah, le dracar, on l'a encore. Attention. 3, 2, 1. Dragon. Fin Borel. Vas-y, Quentin, choisis-nous la box. Pas celle-là déjà. Non, mais qui joue encore à ça? 1, 2, 3. Celle-là? Putain, c'est la mieux scellée, j'ai l'impression. Non. Ce sera pas celle-là du coup. Allez, let's go. Allez, celle-là. Celle-là, let's go. Combien as-tu payé tout ton colis là? T'as des chiffres à donner? C'était des précos, donc je sais plus, mais 300 quelque chose. 300? Ah ouais. Quelque chose comme ça. Regardez-moi. Eh! Non. Ce serait pas de nouveau buggé le bordel? Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est abusé. Non, mais regardez-moi ça. Et à chaque fois, regardez, il y en a 3. Et il y en a un 3. Qui en a que 2. Non, mais c'est ouf. Non, mais qu'est-ce que... Après, on a eu une ghost hein, dans la display d'avant qui était comme ça. Donc, il y en avait 2. C'est ça à chaque fois. Ouais, franchement, on prend. C'est clair du lourd. Ils tentent des façons différentes d'ouvrir. D'ouvrir pour vous piéger, les amis. Allez. Attention, des illustrations qu'on retrouve. Là, ça sent le dracar. Je sais pas pourquoi. Oh non. On l'a pas eu celui-là depuis tout à l'heure. Attention, dernier. Oh non. Oh d'ailleurs, elle est... Non mais regardez-moi, elle est... Mais regardez, il n'y a même pas de bord en haut. J'avoue qu'elle est... Mais qu'est-ce que ultra c'est mal cut.
Qu'est-ce que c'est, oh, cette carte? C'est la première fois dans Yu-Gi-Oh que ça me le fait. Franchement, c'est rare. Ah, autant ouais. dans Pokémon, on a souvent des cartes buggées. Là, mais regardez-moi ça. Dans Yu-Gi-Oh, c'est très rare. Hein. Franchement, ça me... Oh. Allez, on enchaîne. C'est parti. Je sais pas pourquoi je le sens encore. Je sais pas pourquoi. Je vous le dis tout de suite. Je le sens. Non. Mais là, je sens que ça va tomber. Je vais faire comme Cyril, je vais faire des feintes. Et non. Ouais. On tente. Franchement, vérifie quand même les autres, parce que vu comme c'est bugué depuis tout à l'heure, ouais, c'est vrai. Il y a moyen que la ghost elle se cache ailleurs. Une ghost en deuxième, genre ici, ça serait parfait. Non, mais c'est joli. Allez, dernier booster. C'est let's go, let's go, let's go. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Eh non. Oh, j'y ai cru. Allez, on enchaîne. Oh non. Non, encore une carte. C'est vrai? Horrible. En plus, c'est la dernière. Franchement, les amis. Non. Oh. Regardez-moi ça encore. Moins bien coupé que l'autre. Oh là là, mais bientôt on verra plus le Konami. Franchement, après, si c'est une ghost. Vas-y, franchement, pour le reste de la vidéo. On va la laisser. Je la mets là et je ne spoil pas. Et franchement, si c'est une ghost, on est obligé de tout ruiner. Allez, je vous montre. Putain, la carte, mais ruinée, ruinée de chez ruinée. C'est parfait. Non, mais sérieux, les amis. Konami se met à faire du Pokémon. Non, mais oui. Allez. Là, ça a l'air un peu mieux. Attention. 3, 2, 1. Et il n'y a rien. Allez, dernier booster. Et après, on se découvre ça. Si c'est une ghost. Franchement, là, Quentin, il est en PLS. Il est pas bien. Ouais. Il est pas bien du tout. Allez. Et non, il n'y a rien. Allez, let's go, let's go. On veut savoir ce que c'est cette carte. 3, 2, 1. Ah, putain. Ça fait deux cartes buggées. On avait eu celle-là. On en est déjà à deux hyper mal coupées. Franchement, Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Hein. Bon, du coup, bientôt, on va avoir plus de cartes mal coupées que de... C'est ça, que de cartes bien coupées. D'ailleurs, s'il y en a qui cherchent des cartes comme ça, mal coupées, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Hein. Ouais, je sais qu'il y en a qui font la collection de ce genre de... Si on peut vous aider, hein, n'hésitez pas. Franchement, d'ailleurs, on peut même vous la redécouper. Au cutter. Horrible, horrible. Allez. Eh non. Petit récap. Petit récap, les amis. Petit récap de l'ouverture de deux displays, du coup, Ghost from the Past. Et du coup, on a quand même tiré... Enfin, Cyril a tiré... La ghost. Une ghost. Let's go. Donc voilà, magnifique. Quelle brillance, etc. C'est vraiment... Ouais. Désolé, désolé Quentin. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir tiré moi-même, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le plaisir partagé. Et après, je suis content parce que j'ai pas eu l'homme à la mitraillette. Non, mais il nous a tiré deux cartes magnifiques. Buggy. Je vous montre juste le dos. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Franchement, des cartes toutes claquées. Konami, on va vous faire un procès. Ne commencez pas à nous faire du Pokémon. Sérieux. Vraiment cuté, mais franchement, c'est abusé. Bon, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va encore ouvrir d'autres TCG, notamment du Naruto très prochainement. Donc, faites-vous plaisir avec nos vidéos. Donc, pour cela, abonnez-vous, le petit pouce bleu. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, en lien, description, on vous met nos boutiques eBay pour aller checker un peu toutes les cartes qu'on a ouvertes. Abonnez-vous à nos Insta, je vais remettre celui de Quentin et le mien. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao.